Citral Mobilité et la métropole de Lyon déploient un plan d'action afin de développer un réseau de bus plus performant et plus agréable pour ses voyageurs. En effet, bien souvent, les bus circulent sur les mêmes voies que les automobilistes, ce qui peut créer des retards sur les lignes, surtout en heure de pointe. En créant des aménagements dédiés aux bus, l'objectif sera de garantir une meilleure vitesse commerciale et de séduire de nouveaux usagers. Sur l'ensemble du réseau TCL, 10 corridors bus ont ainsi été identifiés comme pertinents pour améliorer la circulation de 15 lignes de bus. Le principe de ces corridors bus, c'est de donner une vraie priorité aux bus, que ce soit au carrefour avec une priorité au feu, et puis sur l'espace public avec des couloirs qui leur sont réservés. Dans le Val-de-Saône, les travaux d'aménagement des couloirs de bus ont déjà débuté au niveau de Rochetaillée-sur-Saône. Ici, les lignes 40 et 70 verront leur temps de parcours diminuer très nettement. Le temps de trajet entre Neuville et Lyon-Part-Dieu sera par exemple raccourci de 12 minutes en heure de pointe. Le coût total des travaux pour la création des 10 corridors s'élève à 15 millions d'euros. C'est des investissements plutôt modestes, mais pour des bénéfices importants, puisqu'on va gagner en fonction des lignes de 10 à 20% de temps de trajet, donc c'est conséquent. Et puis c'est aussi l'occasion de réaménager un peu l'espace public, de faire de la place notamment aux piétons, mais également aux cyclistes. Après le Val-de-Saône et la liaison Vénissieux-Corbas qui seront achevées au cours de l'année 2023, les 8 autres corridors bus seront aménagés d'ici 2026.